Mesdames, mademoiselles et messieurs, encore une fois, nous sommes bienvenus ou sous TV La Caille. Et son plaisir pour nous avec vous, encore une fois, pour une nouvelle vidéo, nouvelle information. Nous portons pour vous et nous profitons de remercier avant même nous finir la vidéo. Nous ne pouvons jamais rater. Et espace ça pour ne pas et bah remerciement ça avec chaque fanatique zami compatriote abonnez nous que ce soit monde qui à l'étranger ou bien qui en Haïti n'a pas merci parce que ou fait choix de un plus beau canal qui là sous plateau pour informer sur ça qui a passé dans pays d'Haïti ou bien à l'étranger. Je dis à là donc finalement en pile gros tête dans opposition réagit sous démission Premier ministre Joseph Jout, et nous connaît après un pile temps qu'il fait bon côté président Jovenel Moïse, et bien monsieur a décidé de remettre les démissions par rapport à ça qui a passé dans le pays, ou bien par rapport à ça tout, et bien PM a enduré en dans le pouvoir PHTK, et monsieur a décidé de démissionner. Et gagne ancien sénateur Don Kato qui lui-même réagit sous question, et gagne ancien premier ministre, et donc ancien ministre, disons, et Paul Denis, ancien sénateur tout, qui réagit, et il y a Hugues Célestin qui réagit tout, en pile gonèg, dans l'opposition réagit sous question ça, et il fait gros déclaration, nous allons inviter vous tendez, pas oublier ou soutenir la caille, si vous pouvez vous abonner avec le canal, pas hésiter à faire ça, guys, restez connecté avec nous, si pour ça, ou même tout, ou toujours, restez informé. Enjoy, n'a croisé dans la prochaine vidéo. Démission Jout Joseph, c'est pièce théâtre là qui continue à jouer. Pièce théâtre côté pouvoir remplacé qui finit par jour. 7 février 2021, ils ont rentré dans l'autre attaque qui est la diversion. Alors, est-ce qu'on peut parler de démission? C'est un plan qui est très bien concocté et Jovenel Moïse. Jout, c'est de ridicule dans ça qui a déroulé là. Nous, comment on a accueilli ça? Élément principal, revendication, nous demandons qui c'est initiative
patriote marié, qui c'est opération tête ensemble, ou soit l'opposition en général, nous exiger démission immédiate, pas ouïs, nous exiger Jovenel Moïse qui était immédiatement pouvoir, parce que son pas ouïs qui tenait pouvoir illégalement après 7 février 2021. Si je nous interprété, tac, binu bay pouvoir sous référendum constitutionnel là. C'est même théâtre bouffon, un théâtre ridicule, tout personnage ça yo, yo tout aussi bouffon et ridicule. Ni madame Hélène Lalime, binu qui représentait Nations Unies, ni madame Fisson qui représentait gouvernement américain à travers ambassade, yo tout y a joué théâtre. Il a semblé colis encombrant, yo voulait débarrasser yo de yo. Ça c'est causé que regardez yo. D'ailleurs, nous, au niveau de l'opposition constructive et responsable, question qui est le bini Nations Unies de 2004 jusqu'à journée aujourd'hui à ses échecs, de 1915 à 2021, 116 ans, l'occupation américaine, depuis 116 ans, américains ont tout fourné nous dans le pays d'Haïti, donc nous n'avons pas la guerre de ce nous sous compte américain. Nous continuons à mener combat pour libération totale capitale pays d'Haïti. Voilà, c'est ancien député Hugues Célestin. Pour nous-mêmes, dans le cadre de démission Joseph Jout comme premier ministre, c'est un non-événement. Son non-événement, puisque ça va pas changer en rien pour pays. Son non-événement, puisque Joseph Jout est arrivé premier ministre en marge de la loi, en marge de la Constitution. Au même titre que Jovenel Moïse, Joseph Jout, c'est un premier ministre de facto. Donc, nous autres, d'un niveau l'opposition, d'un niveau Kadoa, principal objectif bataille nous, c'est débarrasser pays de Jovenel Moïse qui gagne un mandat fini le 7 février 2021. Donc qu'il s'agisse d'une énième diversion de M. Jovenel Moïse à travers démission Premier ministre de facto Joseph Jout, ça c'est bagaille qui concernait, qui regardait M. Jovenel Moïse. Mais nous autres, dans le niveau l'opposition, dans le niveau Kadoa, nous dit, nous croyons en mobilisation, nous avons continué à mobiliser, nous avons continué à accompagner tout secteur qui a dénoncé l'inacceptable, notamment le kidnapping. Nous dit tout, nous favorables à un principe de médiation, toujours est-il, nous espérer un éventuel médiateur capable d'assurer un minimum de confiance à toutes les parties, pour que nous négocions la sortie de Jovenel Moïse, qui, somme toute, rend le pays invivable. Alors, Jovenel Moïse dit de recevoir, Jovenel Moïse dit d'accord d'émission pour le ministre à tout gouvernement. Il croit que ça balaye l'opportunité pour former l'autre gouvernement, pour faire un dialogue, pour capable attaquer le problème pays. Pour nous, encore une fois, dans le cadre de la déclaration de M. Jovenel Moïse, c'est vraiment le cadet de nos soucis, puisque M. Jovenel Moïse n'est pas capable de faire cette illusion, penser en révoquant son premier ministre de facto, pas capable de contribuer à un dégel de situation, hein, dans la mesure où problème, non, c'est Jovenel Moïse. C'est M. Jovenel Moïse qui a un mandat constitutionnel fini le 7 février 2021. C'est M. Jovenel Moïse qui, somme toute, instrumentalise l'État, prend pays en otage. Donc, pour nous autres, à niveau Kadoa, la négociation qui vaille, c'est une négociation pour définir la sortie de M. Jovenel Moïse qui côté le pralé. La négociation qui vaille, c'est négociation après le départ de M. Jovenel Moïse pour que gagne des dispositions qui prend pour bail sécurité dans le pays, pour éradiquer gangio, pour créer les conditions techniques en vue de l'organisation de bonnes élections, élections crédibles, élections démocratiques, élections qui honnêtes. L'ancien député Abel de Collines et puis gagne tout dirigeant Uniforce non qui fait partie de DIRPOD, ancien sénateur, ancien ministre, Paul Denis, lecture par la démission, bien révocation pour le ministre de facto Joseph Jout. Pour lui-même, il dit que c'est une bonne décision. D'ailleurs, il estime que ça a été de fait depuis longtemps déjà, et puisque présence est en tête, gouvernement pas trop présenté en rien pour intérêt pays. Paul Denis qui est intervenu matin dans le journal Nouvelle La Souraille déclaré c'est un bon bagaille et qui normal pour monde
qui n'ont pouvoir ça mandé tête yo qui ça y a fait côté ya et ancien ministre fait connaître occasion pour président de facto à réaliser nécessité pour le bail talon et puisque moun pa ka attendre rien de bon de lit ancien sénateur Paul Denis mandé population pour le préparer pour entrer en rébellion face à régime PHTK tête calé de facto qui fait d'appuyer sous pouvoir et n'attendez dirigeant Unifostan qui fait partie de Paul politique dire Podlan et ancien sénateur Paul Denis dans micro Fritzner Michel mon qui était dans pouvoir ça hein? C'est normal que vous posez des questions sur les questions pour le Maléo ça y a fait là avec à l'intérieur de ce pouvoir un pouvoir qui a détruit les institutions républicaines un pouvoir qui a associé au banditisme pour capable perpétuer l'existence, un pouvoir qui a créé l'horreur, qui entretient l'horreur, l'impunité et qui côté bon peuple qui n'aspire qu'au mieux-être, qui n'aspire qu'à la paix et à la tranquillité. Donc, ce départ du Premier ministre, son départ, à mon avis, qui était mobilisé déjà depuis longtemps, à mon avis, c'est une bonne chose. Peut-être que c'est une occasion pour Jovenel Moïse pour penser, pour mettre dans la tête que l'heure est venue pour lui retirer l'école dans le palais national sans bruit, sans compte. Est-ce que pratiquement, même Jean-Président est de facto à lui-même, lui quoi ça, donc démission gouvernement, que lui accepter, t'as dû permettre lui adresser problème, un gros problème de sécurité et qui gagne dans le pays, et puis pour poursuivre discussion en façon pour dégager un consensus qui est quoi qui nécessaire pour stabilité politique et institutionnelle dans le pays. Est-ce que, et pour même démission et Premier ministre Joseph Jout, lui gagne une certaine incidence positive, vous pensez que ça a gagné pratiquement sous réalité dans vivre journée jeudi là dans le pays? En fait, avec tout le monde, quand aujourd'hui, avec projet à la projet du pays, lorsque le Premier ministre a mis l'école, ça ne parle du tout que pour avoir un changement dans la situation du pays. Jovenel Moïse, il existait, il ne peut exister que par le recours à la violence, par la destruction des institutions, par la violation systématique des droits humains et de l'état de droit. Jovenel Moïse peut-être il est capable de sentir plus à l'aise pour l'avancer. Président et de facto et dans tweet que l'IFEA a tout annoncé que c'est Claude Joseph qui nommé comme PMAI et comme un personnage ça et donc par rapport avec eux et ça que nous vivons aujourd'hui dans le pays. En tout cas, personnage ça qui aujourd'hui à la l'entendre qui ont un morceau patriotique lorsque monsieur ça Jovenel Moïse me parle avec vous il me demande pour vous donner une liste pour lui c'est pour dire merci beaucoup n'importe qui qui accepte la violence ça vient là et bien nous avons dit chier à vous. Voilà Paul Denis dirigeant Unifos non micro et collaborateur nous Fritzner Michel en direct matin et t'as réagi non monsieur même aller plus loin pour le dire m'a cité barbecue si pays a tes sécurité premier monde qui t'a doit mourir déjà c'est jout c'est déclaration barbecue. Donc en fait, vous voyez dans quelle situation, l'on n'est pas un caractère, l'on n'est pas un sentiment, l'on n'est pas moun. Et c'est ça pour passer. C'est un fait normal. D'ailleurs, joute pas tap diriger en rien. Joute pas tap diriger en rien. D'ailleurs, ou non pouvoir qui pour moi expire, ou non pouvoir qui dépourvu de tout bon sens, ou bon pouvoir
qui pour moi c'est l'anarchie, la démagogie qui base idéologique, c'est le kidnapping et l'insécurité qui base économie pouvoir. Ça veut dire sous tes moun ou ta l'école, donc on devait dire écoutez, ici là m'pa gen place pam là, d'accord, moi là comme disait le Québécois, moi là, d'accord, m'pa gen place pam là, je devais le dire. Ou pas de besoin tant, par exemple, contexte politique l'en vine vraiment et délabré, contexte politique l'en li paraît extrêmement difficile et même fragile pour bail démission. Maintenant, gagner deux éléments nous cap mettez justement en exergue. La première chose, un, est-ce que c'est parce que bateau a pral chavirer qui fait que ou décidé bay démission? Deux, est-ce que c'est parce que ou pas ka ba résultat tout? Résultat, voyez que population tap tan nan ou décidé tirer la révérence? Je ne sais pas. Moi, je pose la question. En fait, bon, troisième élément que m'est capable de venir avec le tout, mais ça li kap a kembe. Mais quand même, puisque m'a pu avancer des arguments, m'a argumenté, donc, argument yo m'a dégagé position des fois yo, yo contradictoire et même relative. Bien sûr, argument yo contradictoire et même relatif. Moi pas rentrer là, m'pa rentrer dans en bobrio ça parce que il y a des carcans qu'on rentre. Bien sûr, il va être extrêmement difficile pour sortir et c'est le cas de Jude Joseph. Maintenant, Jude Joseph est sorti, certes, mais est-ce que c'est par la grande porte? Je dis non, c'est par la petite porte. Pourquoi? Tant de manifestations qu'a demandé pouvoir aller. Plusieurs moun mouri, dont parmi yo policiers et journalistes et les militants. Plusieurs militants nan prison jodian. Plusieurs policiers nan prison, dont Abelson Groneg, mon ami. Ça veut dire, ou te déjà ouais pour voir ça, li pa gon bon assise, donc li pa kabay résultat donc attendu. Donc, fort ou t'es tiré la révérence dès le début. Mais comme je dis que, li pas trop tard pour bien faire. Li pas trop tard pour bien faire. Mais tout bien faire, maintenant, est-ce que m'ka dit bien faire? M'ka dit, bon, oui, li pas trop tard pour bien faire, mais ça li capable justement porter à équivoque, à une série de débats qui cototeye dès le début. Est-ce qu'on pas qu'on ouais des reviews? Bon, nous dit là, monsieur, l'idée missionnaire, c'est parce que Dieu.